Bienvenue à tous pour une nouvelle saison sur City Skylines, messieurs, avec la ville de Nakumo qui arrive. On va essayer de se mettre un peu de challenge avec une map relativement petite, une petite Monaco par ici. On va voir ce que ça donne, on croise les doigts. Bienvenue sur cette nouvelle map, on a des petits palmiers, monsieur. Monaco est au soleil à présent. On va voir un petit peu ce qu'on a. Ah ouais, c'est plein. Tout ça, ça sert à rien en fait, tout ça c'est inconstructible littéralement. Ouais, y a rien à construire là-dessus, c'est que pour la déco. Du coup, on aura que cette zone et celle-ci. Tout ce qui est là, puis après un peu éventuellement là-bas. C'est vrai que pour... Dézoom. Ok, voilà, non, dézoomant. On voit un peu plus de zone. Par contre, le début est difficile. Le début, j'ai pas accès à grand-chose. En plus, l'autoroute est là, donc faut que je commence ici. On aura plutôt s'étendre par ici au départ. Sachant qu'on aura le train par la suite en haut, la montagne est là. Ouah, ça va, il y a comme de la place. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'on est habitué, il va falloir essayer de condenser un petit peu tout ça. Rendre la chose bien organisée, ma foi. Et du coup, est-ce qu'on commence direct avec des grands ronds-points, des trucs à la con comme on fait d'habitude, ou c'est chaud? Parce que c'est vrai que du coup, faut optimiser un petit peu l'espace, messieurs. Globalement. Attends, est-ce que j'ai accès au... On a accès à quoi au début? Il y a plein de nouvelles routes, mais genre... Ah, c'est abusé. Waouh, le nombre de routes qu'on a à présent. Il y aura de quoi faire. Attends, du coup, j'ai pas accès au sens unique, sérieux? On a accès au sens unique d'habitude. Est-ce qu'il faut que je la pose pour débloquer? J'en ai aucune idée. On va poser, on verra bien. On verra bien, messieurs. Attends. Pour le moment, on va partir sur un rond-point relativement simple. On va pas faire les fous. Qui est extrêmement rond, n'est-ce pas? Oh, putain, ça commence très mal. Ça commence très mal. Est-ce que tu peux me faire un rond qui est rond? Voilà, déjà, on peut prendre des routes. Donc, on a différents types de rois. De voies. C'est comme des voies, mais en version royale. N'est-ce pas? Est-ce que je réussis à faire un truc qui est rond? Ouais, ça passe. Ça passe, on va dire. De toute façon, tu vas tout casser en connectant ça. En règle générale. Ok. C'est bon. On a la base. On a clairement la base, messieurs. Ah, il y a tellement de routes. Wow, tout ce qu'ils ont ajouté. Large trottoir. Parce que du coup, ils ont ajouté, selon les DLC que tu avais, mais également des contenus gratuits. On a le terre-plein central, un peu à l'américaine. Oh, excellent, excellent. C'est sur du basique, je pense, pour le moment. Mais encore plus de variété, ma foi. Du coup, est-ce qu'on doit rester droit? Non, on va pas rester droit. On voit, on se dit un peu ville de l'époque. Avec du coup, forcément, des ronds, du bordel partout. Tout ce qui est résidentiel. Parce que du coup, il nous faut de l'industrie. L'industrie, on va la balancer où? Le problème, c'est que je sais pas où il y a des ressources. Je peux pas aller voir pour le moment les ressources. On sait que ça c'est de l'agriculture. Est-ce qu'on peut voir d'autres ressources? Genre, je sais plus si on voit le pétrole, tout ça. Je crois pas qu'on le voit au niveau de la terre. Là, peut-être du forestier. Du coup, la zone polluante, on la ferait où? Plutôt dans ce... Ouais, par ici, on va polluer par là. Et du coup, essayer de s'éloigner. Tout ce qui est plutôt résidentiel ici. Bon, bah écoute. Croisons les doigts pour que ça le fasse. Peut-être pas trop aller vers le bord tout de suite. Mais on va tenter un petit truc sympa. Voilà. Et pas non plus exagéré. Parce que c'est le premier. Et j'ai tendance. Par contre, c'est dégueulasse. Mais. Le truc est dégueulasse. Littéralement. Tu sens qu'il faut qu'on s'en remette dedans. Attends, est-ce que celui-ci serait plus gros de forme libre? Je sais pas. C'est quoi le mieux pour faire des trucs qui ont du sens? Peut-être celui-ci. Pour pas que ça te fasse des à-coups absolument dégueulasses. Ok, on va dire que c'est bon. Que ça ira bien mieux déjà. N'est-ce pas? Donc l'arrivée là. Donc on a dit ce qui était industriel, ce serait peut-être plutôt... Ouais, j'en sais rien. Autour, ici. Où est-ce qu'on va polluer, foutre le bordel? J'ai pas envie de contaminer l'eau non plus. Mais j'ai pas non plus envie de contaminer mes arbres. Bon, bah écoute, on va partir sur de l'industrie qui va traîner par ici au début. Puis on verra bien ce qu'on fait par la suite. Attends. Comment tu peux me faire ça là? Un truc qui soit relativement droit. Tiens, juste là. Voilà. Tu connectes le tout. Et puis on espère que ça le fasse. N'est-ce pas? Enfin, est-ce qu'il faut... Wow. On va tenter de faire les choses bien. Un peu près. Comme ça. Ok. Donc ça, ça sera notre zone industrielle. Qui va être un tout petit peu dégueulasse, mais bon. On va commencer petit. Pas voir trop grand non plus au début. Voilà, juste comme ça. Ensuite... Tout ce qui est résidentiel, niveau fric, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup d'argent. On va temporiser 2 secondes. Au niveau du vent.
Ça va être totalement dégueulasse, on est d'accord. Ça va être totalement dégueulasse, mais il n'y a pas vraiment le choix. 7, 8. Bon bah écoute, ça va partir sur une éolienne au bord de la plage. Désolé pour le dérangement. Tac, comme ça. Du coup, je suis obligé en tout cas au début de tirer ça, parce que ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas trop le choix. Attends, je peux passer au-dessus. Voilà. Tu vas te le connecter juste là. En espérant qu'il se connecte tout seul comme des grands. Parce que pourquoi pas, messieurs, n'est-ce pas? Ensuite, tout ce qui est haut, on a quoi? Station de pompage, c'est combien? 2500-240. Ah bah autant pomper, écoute. L'eau arrive par ici, donc on va pomper juste là. Bah, juste à côté, écoute. Attends, quoi que ici, parce qu'il y a peut-être plus de courant là. J'en sais rien. Écoute, on va dire que oui. Voilà, juste là, petit pompage. Attends, j'ai assez d'argent. Parce que moi, je m'emballe, mais... à se calmer. Ok, on a de l'eau. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On a l'eau, l'électricité, on a le minimum. Littéralement, station d'épuration, c'est peut-être... Bah, il en faut une, forcément, en fait. Sortie d'eau écologique. Est-ce qu'on peut lutter des... Ah, de 320 par... 480 par semaine. Ça coûte moins cher, ça fait combien, ça? 120 000 mètres cubes. Et là, on est sur du 60 000 mètres cubes. Attends, ça me coûte plus cher? Ouais, c'est ça. L'autre me coûte littéralement plus cher pour moins bien. Ah, parce qu'il pollue, oui. Ok, ouais, c'est à cause de ça aussi. Parce que du coup, ça, traitement des eaux, ouais. Alors que celui-ci, c'est une sortie d'eau écologique. Monsieur. Et usine interne écologique du traitement des eaux. Est-ce qu'on part sur un truc écologique? C'est que ça fait quand même vachement cher. 500 par semaine. Mais en même temps, faut ce qu'il faut, quoi. J'ai pas... Ah, ça fait chier de polluer tout ça. Directement, disons. Bon, écoute... Tant pis. On a une station qui est quand même un peu moins polluante, on espère. Voilà, connecté. Il faut du coup relier tout ça. Sauf que la blague là, c'est. Je fais ça comment? On tente un truc comme ça. On va essayer de pas foutre trop le bordel. Oh, c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. C'est pas grave. Ok. On a de l'eau, on a de l'électricité. C'est connecté. Donc maintenant au niveau du drone, du zonage, on a 30 000, ça va, on a de l'argent. Qu'en se fait-il qu'on ait autant d'argent d'ailleurs? Ça me paraît énorme. Littéralement. Vas-y, on va droner ça. Soit là c'est pourri. Ok. Est-ce qu'on nous fait des petits cercles tout mignons? Attends, il y avait quoi comme large trottoir? Un large trottoir pour varier un petit peu les plaisirs, ça pourrait être sympa. Faudrait qu'on mette là-dedans. Parce que du coup, en termes d'optimisation... Soyons clairs, on repassera. Ça passe? Oh, ça passe, vas-y. On essaye en tout cas. Merde, je suis allé trop loin. Je m'emballe peut-être un petit peu en termes de taille, non? Faut oublier qu'au début, il y a un peu personne globalement. Putain, vas-y, j'arrive juste pas. Juste pas littéralement. Alors, comment on fait? Là. Du coup, je vais refaire l'angle histoire que ça ressemble à quelque chose. Parfait. C'est particulier. Soyons clairs. Je reconnais. C'est certes spécial, mais ça va le faire. Du coup, ensuite là, tu vas me tirer des lignes droites juste au centre. On connecte. Alors, par contre, là, en termes de circulation, ça va être dégueulasse, là, littéralement. Comment foutre le bordel avec une intersection compliquée? Alors du coup tu connectes ça. Là pareil. Voilà. Est-ce que tu peux me reconnecter le tout? On est pas mal. On est ma foi pas mal. Donc il faut qu'on zone tout ça. Tout ce qui est commercial. Est-ce qu'on reste sur les extérieurs? Est-ce que ce serait pas plus cohérent? De toute façon faut pas aller trop loin. On va zoner juste une petite partie pour le moment. Avant que ça parte littéralement dans tous les sens. Attends, et du coup ça... Bon, écoute, au pire... Bon, écoute, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Juste récupérer ça. Attends, comment je fais déjà pour une zone là? Ok.
Est-ce qu'on ferait une zone tampon? C'est vrai que du coup je suis collé, j'ai pas pensé, mais je suis littéralement collé à ma zone industrielle par ici. Ce qui est relativement moyen. Attends, probablement cette zone on va la dégager. On va peut-être pas s'emballer non plus. Voilà, parfait. Comme ça on est bon. Et niveau commerce au pire. On continue, ouais. C'est un peu le bordel. Je vous que... Ouais. On va pas se le cacher. Mais bon, voilà. Comme ça, c'est tout bon. On est ok. On met play et on espère que ça se passe, messieurs. On a littéralement tout ce qu'il faut. Tu m'as donné envie de réinstaller le jeu. Tu m'étonnes, il est tellement bien. En plus, il y a une mise à jour gratuite là qui a ajouté de nouvelles routes. Ce qui est carrément cool. Voyez-vous. Est-ce que je pourrais pas baisser le budget histoire de pas me faire littéralement défoncer? Merci bien. Parce que disons qu'actuellement, ouais, il n'y a pas beaucoup d'habitants, on est à peu près zéro. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez d'autre, messieurs? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plus? Ah bah voilà. Ça se construit, il faut juste laisser le temps. Par contre, si je pouvais être connecté, ça serait quand même vachement bien. C'est pas comme si j'avais mis en place un super réseau électrique. Alors, je dis ça, je dis rien. Ok. Il y a grosse demande, il faut juste attendre. Et que ça se développe petit à petit. Par contre, mon entrée est dégueulasse. Tout ça n'a aucun sens. Ça aussi, ça va être un bordel. Mes routes sont très particulières, on va dire. Mais c'est vrai que n'empêche, je dis c'est quand même vachement petit. Parce que j'ai déjà tout rempli la zone là. Faudra qu'on essaie de condenser au maximum. Pour voir ce que ça peut donner. Ah merde, attends. Pas de gros mots. Effectivement, connecter tout ça avec de l'eau, ça peut être utile. Est-ce que j'ai l'argent pour faire un truc comme ça ou ça coûte trop cher? Je crois que je m'emballe un tout petit peu. Ok, on va dire que c'est bon. Effectivement, leur fournir de l'eau potable, ça peut être une bonne chose. Pas se cacher. Plutôt positif, messieurs. Moins 580 par semaine. Attends, électricité, c'est quoi votre problème? What? Pourquoi le fournique 2? Attends, ils ont modifié? C'est plus fixe maintenant les éoliennes? Vitesse du vent. Ah, non! Elles sont plus fixes, ça varie en fonction de... du vent réellement? Ah, mais si c'est le cas, c'est explosé au sol une éolienne, ça n'a aucun intérêt! Ah! Ah, et je fais comment moi? J'ai pas la thune d'en acheter une autre, et de toute façon, si on prend une autre, ça va être le bordel! Ah, c'est. C'est con ça! Après, c'est un peu le principe d'une éolienne, tu me diras! C'est. Non pilotable? Est-ce que ça a remonté? Pourquoi je suis qu'à 2? C'est pas. J'ai pas suivi esquisse. Oh, mais je fais quoi? Je peux rien faire! Je peux pas faire de prêt, donc je peux pas avoir de. Non! On va quand même pas faire faillite dès le début! Ah, mais oui! Je suis con! Mais non, je suis idiot! Je suis idiot, messieurs, cordialement, enfin! Et forcément, si je défonce le budget, ça produit plus vraiment, bizarrement! J'ai peut-être trouvé pourquoi du comment. Voilà. Forcément, si tu coupes le budget de l'éolienne, il n'y a plus d'éolienne. Putain, je suis un boulet. C'est bon, on est sauvés. Notre ville ne fera pas faillite dès la première journée, messieurs. Tout va bien, il n'y a aucun souci, littéralement. Ok, bon, bah ça pollue grave. Ça, on s'y attendait un petit peu. C'est quand même particulier le style que j'ai donné à tout ça. On monte au niveau de la demande. On est ok, encore de la place. Pas besoin de se stresser pour le moment. Littéralement, on pourrait presque déjà construire un truc qui coupe. Attends, comment je peux faire pour que ce soit un tant soit peu cohérent. Alors, en termes d'optimisation, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. C'est littéralement dégueulasse. Voyez-vous. Bon, du coup, on va retendre tout ça. Nos petites zones, juste ici. Alors, en termes de petit, c'est pas beau. Ce n'est pas spécialement beau, on est d'accord. Mais bon, on fera ce qu'on peut. Petit à petit, qu'est-ce qu'il va nous falloir ensuite? On a juste à attendre de grandir. Pas faire grand-chose de plus. Niveau impôt, je peux pas encore gérer. Du coup, oh. Ça passe.
Faudra juste monter un petit peu le budget assez rapidement, vu comme c'est en train de monter. Ça coûterait combien? Total 1500. C'est bon, non, positif. Et en plus, on passe à déjà un petit hameau, messieurs. Impôts, prêts, déchets, santé, éducation. Mais c'est parfait, dis donc. Grande école primaire, centre de chirurgie plastique. Oh, excellent. Une grande clinique de chirurgie plastique dans un bâtiment unique. Elle comporte une salle d'opération et une salle de... pour accueillir les patients. Ça, c'est avec le pack gratte-ciel. Vu que ça a l'air d'être un gratte-ciel. Ça doit être clairement ça. Bon, du coup, on monte le budget. Même si je suis pas certain que 100% soit un peu dans l'abus, peut-être. Bon, du coup, on doit gérer les déchets. Ça va forcément partir sur une décharge, on est d'accord. 240, 16 000. Ouais, ça va clairement partir sur une décharge. C'est bien de... ça passe. Pourquoi vouloir plus? Attends, une décharge. Et niveau électrique, on a un léger petit problème de type on produit pas assez. Mais le problème va être très facilement résolu. Tac. C'est bon, consommation actuelle, 9, on est censé être bon. Parfait, ça passe. Il faudra juste faire gaffe. Attends, on est connecté. Du coup, tout ça, je peux le péter. Tout ça, ça saute. Voilà. Faudra juste checker que ça reste comme ça, pas que ça parte dans tous les sens. Jaune. Attends, laissez-moi tranquille deux petites secondes. Merci bien. Ok. Bon, par contre, niveau pollution, ça va pas être super propre. Soyons clairs deux secondes avec ça. Ça va pas être ni... oh merde, attends, j'ai pas mis le vert là. Effectivement, on a foutu le bordel. Ok, parfait. Et le bleu, il est ok. Le bleu m'a l'air d'être bon, ma foi. Donc, on a monte la gueule des routes. Avec le gros trottoir, c'est excellent. C'est sympathique tout plein. Attends, c'est quoi la différence? Là, le trottoir est vraiment gigantesque, alors que là, le trottoir est plus étroit, c'est ça. Ok, donc celle-ci, en fait, une nouvelle. Avec des tout gros trottoirs pour les piétons. J'aime bien, j'aime bien. On pourra toujours faire voler tout ça après. Et faire ce qu'il faut, ma foi, messieurs. Ok, ça travaille. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors, le soin, ça coûte très cher. Donc, si vous pouviez faire sans, je serais pas contre. Par contre, une école, j'avoue que ça peut être utile. Globalement, je veux bien vous la filer. Avec une petite école là, au centre. Il faudra quoi d'autre? Ça, c'est une grande école. Une école alternative, on s'en fout. Pour le moment, littéralement, enfin. Alors, niveau ressources, on va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on va se contenter de... connexion sortante, j'ai pas encore accès au filtre. On est d'accord, tant que t'as pas déverrouillé le filtre, je peux pas voir les ressources où elles se situent. Ça c'est toujours un peu chiant parce que du coup tu sais pas où ça va être. Après c'est plutôt réaliste, tu me diras. À l'époque forcément tu peux pas le savoir. Ouais, j'avoue que ce rond-point... c'est spécial. Et d'ailleurs plutôt que rue Concorde, du coup on va appeler rue Une... Ce rond-point vous est dédié, monsieur. Ah, il a pas eu envie. Rue Une... j'ai dit. Enter. C'est bon. Vous avez du coup une magnifique rue juste ici. Vous avez de la chance quand même. Et on a quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir d'autre? On a la rue Sophie qui a l'air assez principale ici. Du coup, ça devient la rue Nathan. Bien entendu. Quelqu'un d'autre veut un nom absolument incroyable? C'est maintenant. N'est-ce pas? Plus 600 par semaine. C'était bien un beau rond-point. Mais oui, le rond-point est parfait, regarde. La symétrie est parfaitement... c'est plus un 9 d'ailleurs, dans ce sens, ouais. Ah, écoute, c'est un 9 rond-point. Ça arrive. Enfin, 9, pas le 9, on se comprend. On se comprend, messieurs. Ok, est-ce que c'est bon niveau eau? Pas de problème. Électricité, ça commence à être juste. Est-ce que je continue sur de l'éolienne ou est-ce qu'on passe à des vrais trucs de bonhomme qui polluent méchamment? L'éolienne est rentable à 80 par semaine versus 560. Alors, ça fait du son, du bruit, ce qui est pas cool, mais... à pas assez d'argent, c'est con, ça. Ça coûte combien? 6000. Ça pique. Effectivement, ça pique, par contre. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc là, ça pollue fort. Au niveau de la demande, j'ai juste un peu de demande commerciale. Mais bon, il reste de la place. C'est pas vraiment un problème. Résidentiel, on peut peut-être commencer à s'étendre. Le truc, c'est que je sais pas trop comment on va s'étendre, en fait. Parce qu'avec la zone industrielle qui va me foutre dans le bordel. Qui va me mettre dans le mal, littéralement. Est-ce qu'on fera un truc un peu comme ça? Et puis la zone là-bas, advienne que pourra. J'ai envie de vous dire.
Regarde, on va faire ça. Le problème, c'est qu'au centre. Est-ce que je garde le centre pour mettre des bâtiments publics après? À la limite. Ça me ferait une zone commerciale extérieure là. Jusque là, parfait. Est-ce que ça pourrait le faire? On a de l'eau. On a tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux mettre des parcs? Pas encore. En fait, j'accepte absolument que dalle, à part l'hôpital. Mais autant dire qu'une clinique médicale, je suis pas prêt de la mettre parce que ça coûte extrêmement cher. Ils ont qu'à se démerder autrement pour le moment. Ça fera largement l'affaire. Usine intérieure d'écologie. C'est celle-ci que j'ai mis du coup. Je crois que c'est celle qu'on a mis, non? Ok, bah ça pollue un petit peu moins, c'est déjà ça. Les poubelles, il n'y a pas de souci. Écoute, tout va extrêmement bien. Ah non, l'électricité. On va se retrouver, mais j'ai pas de thunes en fait. Moi je veux bien vous mettre plein de trucs, mais il faut me filer un peu de thunes quand même. Sinon c'est compliqué. Attends, on accélère. Voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça coûte 6000? En fait, par une fois qu'elles sont installées, ça coûte moins cher par mégawatt. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça coûte plus cher à l'installation. Parce que là, pour 6000, j'ai 8 mégawatts. Alors que là, pour 19000, j'ai... Ah bah non. 40 mégawatts. 6, 12 x 3, 8, 16. Ouais, c'est... Mais pas beaucoup. Franchement, c'est pas rentable, l'usine à charbon. Parce que du coup, ça coûte un peu... tout petit peu moins cher à l'installation, par rapport au nombre de mégawatts. Mais après, ça coûte très très cher. Il y a de toute façon aussi la pollution sonore, bon, qui est un peu plus présente là. Mais au moins, c'est pas polluant. J'ai envie de te dire, vive l'éolienne, messieurs! C'est l'avenir du monde! Bon, parce que là, il y a du courant d'air absolument tout le temps! Il y a des petits... il y a un peu de vent. Ce qui, forcément, avantage un petit peu le problème. N'est-ce pas? Tout ce qui est soin, vous pouvez toujours rêver. Clairement, d'ailleurs... Ah, les impôts. Faut les monter à 12%, messieurs, c'est connu. 12%, le pourcentage magique. Pour ne pas les énerver, mais récupérer un peu plus d'argent quand même. Qu'est-ce qui me coûte super cher? L'eau. Est-ce que je peux baisser le budget? Et du coup, débloquons un joli village. Ah, je peux faire de l'agricole et du forestier. Ça pourrait être sympa, ça. J'aurai une nouvelle case, j'imagine. Ouais, nouvelle case. On a le prêt, on a plein de délicieuses choses, dis donc. C'est bon, ça. Attends, est-ce que du coup, mon eau, je produis genre combien en trop? Beaucoup, 3 fois trop, donc oui, on peut vraiment le baisser. Le budget en eau qui coûte extrêmement cher. Attends, si je mets au minimum. On passe à combien? Oula, attends, on va se calmer. Alors visiblement, un budget à 50%, ils ont un peu de peine. C'est clairement trop pour eux. Vas-y, ça. 80%. Soyez pas dans la bulle, traitement des eaux, là, quand même. Vraiment? Il est pas capable de traiter les... Ouais, c'est bon. Ok, bon, on va rester comme ça. Quoique je peux baisser encore un petit peu, on peut mettre à combien? 70. Poison et d'or, faut que je fasse gaffe, pas que ça parte en cacahuète. Clairement. On est juste, mais ça passe, messieurs. Ça passe. Du coup, qu'est-ce qu'on avait ensuite? Tout ce qui est service, mais le problème c'est qu'il faut de la thune en fait pour payer des services. Ils sont sympas les gars, mais dans la vraie vie, je pense que ça tombe tout seul globalement. Ou comment ça se passe? Quartier et zone. Ok, j'ai effectivement accès à mes quartiers. Est-ce qu'on se ferait pas un premier quartier? Le petit quartier historique qui va nous faire un truc comme ça en gros. Ça sera le quartier littéralement de base de notre ville. Voilà. Ensuite, la zone industrielle absolument dégueulasse sa mère. Ah, du coup, je pourrais faire du forestier ici. Mais totalement, comment ça marche déjà? Littéralement. Attends, si je veux faire du forestier, je dois faire quoi? Bonne question. T'as un plat central. Est-ce qu'on a les zones industrielles, les routes industrielles déjà ou je les ai pas? Non, je les ai pas encore. On a la double. Qu'est-ce qu'on fait? Route à 4 voies. Alors, je devrais peut-être agrandir celle-ci. Attends, on va tenter quelque chose. Je ne garantis rien. Mais je me dis qu'on pourrait déjà agrandir ça. Alors peut-être pas l'autre, on va se calmer. Dans l'idée, je peux la continuer tout droit. Littéralement. C'est quand même extrêmement moche, mais elle aura un niveau quand même assez énorme. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon bon monsieur. Il y a trop de routes. Qu'est-ce que je prends comme route? Terre-plein central. Je sais pas, terre-plein central, c'est un petit côté un peu... zone industrielle américaine, je trouve. Est-ce qu'on resterait pas comme ça? Ça me ferait un truc là. Donc ça, ça partirait jusque là. Ok.
Et du coup, ça serait ma zone forestière, là. Parce que j'aurais assez de densité. Ah, bah attends, du coup, est-ce que j'ai pas accès? Oui, maintenant j'ai accès à mes ressources. Exactement. Donc là, du forestier, ça passe. Oh, le pétrole, comment tu veux que je récupère? Le problème, c'est que le pétrole, il est sous-marin, enfin sous l'eau, quoi. Je sais plus si je peux faire du offshore sans d'abord faire du pétrole de base. Faudrait le faire par ici. De ce côté, du coup, j'ai déjà accès, je pourrais faire du minerai. Et tout ce qui est agricole, plutôt par là. Écoute, commençons par du forestier, déjà. Juste ici. Ah, par contre, le forestier à côté de la décharge. Bon. J'avoue que c'était peut-être pas idéal, mais bon. On va faire avec, écoutez. On va faire avec, messieurs. Attends, donc j'en étais ouf. Connecte-moi tout ça. J'ai aucune idée du comment... Genre comme ça. Je sais pas si je suis droit. Je vois littéralement rien. Vas-y, on va dire comme ça. Ce qui veut dire que là, je dois rentrer dedans. Ouais, c'est... Oh, c'est spécial, quoi. C'est spécial, globalement. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Donc, on crée des quartiers. Donc déjà, peindre un quartier. Donc, tout là, tu vas venir. Juste ici. Attends, peut-être, du coup, garder ça pour aussi du forestier par la suite. On verra. Comment ça marche, déjà? C'est industrie. Donc là, comment ça marche déjà? Je sais plus comment ça fonctionne. Ah non, j'ai pas... Ah, ok, non. J'ai que, l'industrie forestière, mais pas la vraie industrie du DLC. Qui sera là, du coup. Faut avoir 1100 personnes, j'en suis encore loin. Donc, pour le moment, c'est juste de l'industrie, effectivement, forestière. Donc, tu vas mettre du jaune. Et du coup, il va mettre... Est-ce qu'on remplit tout? Très, très bonne question. Vas-y, remplis-moi tout. On verra bien. Merde. Attends. Avant de partir dans tous les sens. Ça, ça dégage. Parfait, monsieur. Oh, putain. Attends. Parce que forcément, si je casse le truc... Est-ce qu'on est bon comme ça? Ah, mais attends, parce que du coup... Oh là là. C'est bon. Et du coup, ça a cassé mon truc, oui, forcément, en mettant la grosse route. Est-ce que c'est bon? On va dire que oui. Donc ça... On va le transformer. C'est ok, donc l'industrie est normale là. Est-ce que je dois l'agrandir? Parce que ça commence à petit à petit. Le problème, c'est que ça pollue une chier. Plus je vais l'étendre vers le bas, plus ça va venir polluer. Et contaminer tout le reste. Ok, c'est bon. Donc théoriquement, on a nos quartiers. Donc là, le quartier historique, comment je le fais déjà pour ruiner mon quartier historique? Non, c'est parce que... Oh, le con, je viens de faire une bêtise. C'est bon. J'ai donc mon quartier historique. Est-ce que je peux le rename? Voilà, le premier quartier. Et là, on va appeler la forêt. Squall. Comment tu écris Squall? J'en sais rien, moi, monsieur. On va le mettre comme ça. Littéralement. Et du coup, là, on a une autre. La hauteur. De Nathan. Voilà, enfin. De quoi? Vous avez un magnifique forêt, monsieur Squall. Une très très belle forêt, ma foi. On ne vous le dit pas assez souvent. Bien garni, bien feuillu. Ça fait plaisir.